few words. Excuse me, I don't speak English. What language? France. Je parle français, très bien. D'accord. Voulez-vous me dire quelques mots sur vos motos, bicyclettes? Qu'est-ce que ce sont exactement? Mettez-vous derrière. Qu'est-ce que ce sont exactement? Alors, ce sont des vélos électriques, assistance électrique, qui ont un design de moto ancienne. Tout à fait. Moto rétro. Voilà, le designer Oscar, qui est catalan, a dessiné le réservoir et le cadre dans cet esprit rétro. Voilà, ils sont accessibles à tous, ça redonne envie de faire du vélo sans forcer, le fait qu'il soit électrique, à tout le monde. Donc il y a 5 niveaux d'assistance. Oui. Celui qui veut pédaler, il est sur un, il a une pédale. Sinon, voilà, c'est un vélo vraiment très facile à utiliser. Il a également avec son display une position de s'il faut accompagner le vélo marcher à côté d'accompagnement. Voilà. C'est comment la version d'accompagnement? En fait, on appuie sur le display et on peut marcher à côté sans avoir à pousser le vélo. D'accord. Voilà. Ok, ça veut dire que le vélo marche tout seul. Voilà, quand vous ayez voyagé. Voilà. On a également cette poignée-là d'accélérateur qui aide au démarrage en côte. D'accord. Si on s'arrête à un endroit où il y a une côte, quand on est dessus, ça aide à redémarrer tout seul. C'est beaucoup plus facile. Voilà, et puis ce sont des batteries dernière génération. Donc avec une autonomie pour l'instant de 50 km. Et il en existe également qu'on peut adapter dessus de 90 km. Quel est le poids de ce vélo? Alors le vélo pèse 28 kg. Oui. Donc relativement normal pour c'est un vélo. C'est le poids électrique. Normal pour un vélo électrique. Voilà. Et le fait qu'il y ait l'assistance, eh bien, c'est vrai que ça se sent pas du tout. Le prix? Alors le prix, comme, alors c'est un vélo qui a la particularité d'être personnalisable. On choisit la couleur du réservoir, du cadre, de pneus, les selles, les poignées. Donc ça varie de 3 900 euros à 4 400 euros en fonction des options. Voilà. D'accord. Et dire d'autres. Voilà, il y a également sur la batterie le port USB, donc on peut connecter son téléphone. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis ils sont USB, donc en général tous ces vélos sont connectés en Wi-Fi ou pas. Voilà. C'est oui. Ça. Ouais, voilà. Voilà. Oh, bah, écoute... Et il a un phare à LED également. Ah oui, qui, important. Permet, voyons, de bien éclairer si on rentre l'hiver, voilà, et qu'il fait nuit. Important. Sécurité.